Today we don't ask ourselves the questions like why do we want to come up with these solutions, but how do we want to do it? And I think the approach that the Climathon takes is very fresh. It's really starting from the bottom line, which is often cities play an important role in that. And I think if we can multiply all the solutions we developed in 150 cities globally, for sure we'll come up with really innovative solutions that could work elsewhere and that can be picked up by the different cities and communities all over the world. Alors un groupe comme Thomas et Piron a clairement des ambitions de se tourner de plus en plus vers la construction durable, la construction circulaire, parce que c'est clairement l'avenir. Et on a saisi l'opportunité du Climathon pour avoir des idées en utilisant le gisement des jeunes futurs entrepreneurs motivés pour nous proposer justement des idées. On leur a lancé un défi un peu fou, c'est à l'échelle de Liège. Eh bien, il y a de nombreuses friches industrielles. Et on leur a soumis comme idée d'y réfléchir, de comment les valoriser. Je veux entreprendre pour le climat et de façon durable. Donc ça m'a semblé tout à fait logique de venir ici. On nous a présenté en fait une problématique, trois problématiques, et on a dû en choisir une. Donc voilà, on avait un challenge sur la mobilité. Bah, il y a un petit côté euphorique évidemment de présenter devant un jury de professionnels. On sait que bah, voilà, si notre projet ne tient pas la route, on va vite le savoir, on va vite s'en rendre compte. Même si on est convaincu de notre idée, on a bossé en groupe sur un projet, on a souvent gardé la même vision, donc peut-être que les autres n'ont pas du tout la même vision. Je me suis retrouvée dans une équipe avec des profils tellement différents que je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Et finalement, on a tellement été bien entourés par l'équipe en place, par les experts, par les coachs, qu'en partant de rien, on a réussi à trouver la solution. Et je suis très fière d'y être arrivée et très heureuse du résultat qu'on a pu créer en équipe. Alors, le Venture Lab, en fait, il a pour mission de soutenir les jeunes étudiants et les jeunes diplômés pour entreprendre dans des problématiques qui sont liées au changement de société. Et il est clair qu'aujourd'hui, le climatique est un enjeu majeur sur lequel nous avons besoin d'entrepreneurs. Nous souhaitons que les idées qui soient amenées aient du sens et puissent apporter une véritable création de valeur par rapport aux problématiques. Et nous apportons pour l'après-Climathon tout l'accompagnement d'entrepreneurs en résidence et toute l'incubation pour les projets qui sont les plus méritants avec les jeunes, les entrepreneurs qui souhaitent s'engager pour mettre en œuvre et réaliser et concrétiser leurs projets.